Salut à tous, c'est Nini, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo ma foi magnifique parce que aujourd'hui les gars je vais vous présenter un véhicule tout simplement incroyable. Donc dites-moi dans les commentaires également si vous voulez que je vous présente des véhicules un peu de ce style, voilà, si vous voulez que je vous présente des véhicules un peu inédits sur GTA V. Alors je rappelle qu'on est sur PC mais je peux vous dire que le PC en vaut le détour, on va aller le chercher, il se trouve dans un endroit un peu secret, enfin secret non, mais il se trouve dans un endroit un peu riche, puisque forcément, hein, vous avez vu le titre, hein, véhicule de riche les gars. Donc on va aller trouver ça, ensuite on va aller custom, on va tester tout ça, voir ses capacités, voir à quoi il ressemble dans la vraie vie, j'ai envie de dire, enfin dans la vraie vie, dans le game quoi, est-ce qu'il accélère, est-ce qu'il va pas vite, tout ça, c'est un véhicule du futur, il est magnifique. Et bien j'ai envie de dire c'est parti, allons chercher ce véhicule, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, c'est pas déjà fait, et let's go. Allez les gars, c'est parti! Let's go! Vamos a la playa, anime gusta, el paila. On est actuellement sur PC. Oh, ça fait longtemps les gars que je ne sais pas sortir des vidéos PC. D'ailleurs, si vous voulez que je vous sorte des modes et tout, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires parce que la salle en ce moment, il sort des modes. Et bah, du coup, moi, je n'ai pas sorti de mode. En tout cas, j'espère que aussi également la salle cup vous a plu pour ceux qui étaient présents dans le live. Wow, mais regardez-moi ce véhicule. Alors du coup, d'après ma security, le véhicule se trouverait dans un endroit de type riche. Donc de type riche, forcément, vous avez des endroits assez riches sur GTA 5. Vous avez les villas ici. Vous avez également, eh bien, le petit golf. Ouais, le golf qui est pas mal. Donc le golf, il est vraiment, c'est un truc un peu de blindé quoi. Dans la vraie vie, ceux qui font du golf généralement, ils sont blindés hein, parce que c'est vrai que c'est pas pour tout le monde. Hein. On arrive à côté du golf et normalement le véhicule est garé juste là les gars. Il faut que je fasse le tour. Wow. Ok, est-ce que je le vois ou pas sur le parking? Ok, c'est bon, je l'ai vu. Il est juste là garé en noir les gars. Wow, c'est abusé les gars. Il a l'air vraiment, vraiment, vraiment stylé. Oula, il y avait un gars en scout, les gars. Avec un truc sur le derrière et tout. Ok. On va faire comme si de rien n'était. Bonsoir. Non, j'ai pas envie de jouer au golf. Wow. The fuck. Mais regardez-moi cette voiture, les gars. Abusé. Non, mais attendez, je vais mettre en première personne, les gars. Hop. Regardez-moi ce bijou. Putain, si GTA, ils nous font des véhicules comme ça. Ils n'ont jamais fait de DLC un peu concept, un peu futur. Mais en tout cas, là, quand je vois comme ça, je me dis, mais voilà, regardez le devant, il est assez énervé. Alors, je vais aller custom, mais je vais mettre en première personne dire pour vous montrer l'intérieur aussi. Alors, je sais pas c'est quel Rolls-Royce dans la vraie vie, s'il y a des connaisseurs un peu de Rolls-Royce. What? Wow. Ok. Alors, au niveau de l'intérieur, c'est un peu space, mais attends, il n'y a pas de volant. What? What the fuck là, alors faut me dire comment on tourne le volant. Et les gars, y a pas de volant, c'est quoi ça? Je comprends pas là. Attends, dans la vraie vie, faut me dire c'est quoi comme véhicule parce que je ne comprends pas pour le coup ce qui se passe là avec ce véhicule. What the fuck? Alors c'est un véhicule qui n'a pas de volant. D'accord. Mais en tout cas, alors c'est un véhicule électrique. Écoutez le bruit. Je vous laisse écouter le bruit. Ouais, c'est un véhicule électrique, les gars. Mais attends, y a un problème là. Comment ça, c'est un véhicule électrique, les gars? Ouais, vous avez la tour aussi ici. Donc, effectivement, c'est un véhicule de type, eh bien, j'ai envie de dire, Electricato, Electrico. Alors, je vais changer la couleur. Je pense que comme ça, il est pas non plus, ouf. On va voir si on peut mettre des custom ou pas dessus, quoi. Parce que là, on a, c'est la Rolls-Royce 103 EX. Voilà, c'est une dernière. Donc là, vous avez vraiment
Du coup le véhicule, ah on peut mettre des trucs, blindage à fond, frein, on met frein de course, moteur, niveau 4, ouh regardez, ah on accélère en accélération et tout, moteur niveau 4, klaxon on s'en fout, éclairage phare xénon, kit néon, support néon on va mettre, pour l'instant la couleur je sais pas, plaque on s'en fout, peinture, alors, quelle peinture on peut mettre sur ce véhicule? Le Rolls-Royce, généralement, les Rolls-Royce, c'est noir, blanc, gris. Pas trop de Rolls-Royce bleu. Enfin, tu vois, c'est pas. Je vais voir en blanc. Beige, non. Je pense qu'en blanc glacier, voilà ce que j'allais mettre. Blanc glacier. Couleur secondaire, c'est quoi? La couleur secondaire, on va partir sur du. J'ai envie de dire du noir. Comme ça, elle est belle. Mais what the fuck, quand même. Regardez-moi ce bijou, ce pompon. Rockstar, sortez-nous ça, bordel. Oh là là, avec le gros RR. Alors, ça, à mon avis, je pense plus que c'est un concept. Mais si ça existe, j'imagine pas le prix en fait. Bon, les roues, on peut les changer, mais on va pas les changer parce que les roues de la Rolls-Royce sont déjà belles de base. Pneus. À l'épreuve des balles, fumée de pneus, on va mettre du blanc. On va mettre du blanc, je pense. Et les vitres, bah forcément, on va mettre les vitres limousine. Bah écoutez, à part le néon, support néon, il me semble qu'on a tout fait. Et puis, bah voilà, c'est du blanc. Est-ce qu'on partirait par une petite couleur un peu. Non, je pense qu'on va laisser en blanc, les gars. On va laisser en blanc. Ouais, je pense que je vais laisser en blanc. Par contre, est-ce que ça change l'intérieur? Attendez. Non. L'intérieur ne se change pas du tout. Peut-être qu'en mettant en noir, ça a mis des trucs en noir là. Mais en tout cas, je n'ai pas changé pas mal de. Ouh là là, non, mais regardez-moi ça. Oh my c'est trop. C'est vraiment beaucoup, beaucoup trop. Je kiffe. Alors je vais tester la puissance. En tout cas, il m'a l'air. En termes de vitesse, il m'a l'air pas non plus ultra ultra rapide. Donc je sais pas ce que ça peut donner. Alors attendez, je vais me mettre là. Voilà. Hop. Il n'y a personne sur l'autoroute, ce qui est pas parfait pour tester la vitesse. Je vais mettre peut-être le speedomètre. Attendez. Ok, on est reparti. Vous avez le kilomètre heure juste à côté. On va tester au démarrage. 3, 2, 1, go! J'ai un bon démarrage. Il monte quand même assez vite. Je suis à 200, les gars. Je suis à 200. Par contre, ce qui est bien, c'est que l'autoroute elle est vide. Donc là, on peut vraiment accélérer. Est-ce qu'il a des lumières ou pas? Non, à part comme ça, il a pas de lumière. Ouais. Bon, par contre, en termes de vitesse, bon, c'est un véhicule électrique, donc forcément, c'est pas des véhicules qui vont pousser, pardon, le bouchon un peu trop loin. Mais il a quand même une bonne tenue de route, je trouve. Ça va. Ouais, il a une bonne tenue de route, je kiffe. Mais c'est vrai que bon, il manque un peu de customisation. Enfin, après, du moins, tu me diras, c'est un véhicule du futur. Donc, en termes de custom, on est un peu limité. Mais je kiffe, tu vois, le fait d'avoir mis en limousine aussi, ça fait un peu discret, ça fait un peu énervé, un peu mafieux. Mais c'est vrai que. Bah, par contre, tu vois, tu peux pas, je pense pas, tu sais, les parcours avec ça va être un peu compliqué, je pense. Parce que. Oula, 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 il dérape tout seul, là, le véhicule. Bon, en tout cas, les gars, j'espère que bah, là, vous aurez kiffé le véhicule. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je vous présente d'autres véhicules de ce genre, en fait. Si vous voulez que je vous en présente plus ou pas. En tout cas, c'était la customisation de. Bah voilà, vous avez donc ça affiche la Rolls-Royce 103EX. Donc je pense pas que ça se vend, ce genre de véhicule. Mais il y a peut-être moyen. Bah ça, je pense que ça doit être un concept car. Hein. À mon avis, de vous, ça doit être un concept car. Hein. Mais ce qui me fait trop bizarre, c'est qu'il n'y a pas de volant. Bah là, on voit plus, mais. Mais ouais, il n'y a plus de volant en fait. Il n'y a pas du tout de volant. Et d'ailleurs, je vais aller. Je pense que je vais aller remettre le les limous, enfin
Ouais, je vais aller remettre le truc en blanc là, les gars. Parce qu'en fait, on voit pas bien le volant. Ça, je crois que j'ai mis en vite limousine et je pense que j'aurais pas dû. Parce qu'en fait, bah, pour le coup, on ne voit plus, on voit plus ma tête, quoi. On voit plus que sans volant. Donc, je vais aller juste comme ça. Hop. Voilà. En même temps, je vais le réparer. Ah, c'est une berline, hein. C'est considéré comme une berline. Donc c'est vrai que c'est chaud. Alors réparer le véhicule et c'est les vitres, je crois, qu'il faut que je mette. Ah, j'ai mis aucun. Hop les, voilà. Je pense qu'on est pas trop trop mal là. Bon écoutez les gars, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si c'est pas déjà fait, activer la cloche. Et puis voilà, si vous voulez d'autres vidéos de ce genre où je vous présente des véhicules un peu ch'tof, un peu inédits, dites-moi le sur ce. Ciao, ciao.